En France, au moins une dizaine de manifestations en soutien aux Palestiniens ont bien eu lieu hier. Les interdictions préfectorales ont été retoquées par la justice administrative à Bordeaux, Rouen, Dijon, Montpellier ou encore Lyon-Lyon, où un immense drapeau aux couleurs de la Palestine a été brandi place des Terreaux devant l'hôtel de ville au son de « Gaza vaincra ». À Paris, la préfecture a finalement autorisé le rassemblement prévu ce dimanche à 14h30 place de la République. En Tunisie, la position française sur la guerre entre Israël et le Hamas provoque de très vives protestations. Chloé Lagadou. Devant l'ambassade de France à Tunis, les manifestants se rassemblent face aux forces de l'ordre regroupées derrière les barrières de sécurité. Dans le cortège, des responsables politiques, des représentants de la société civile et des Tunisiens venus montrer leur soutien à Gaza. Des drapeaux palestiniens flottent dans les airs. Des pancartes avec des inscriptions « Stop au génocide palestinien » sont brandies. Au son de slogans scandés par la foule, pas d'ambassade française sur le sol tunisien ou encore les Français et les Américains alliés des sionistes, peut-on entendre. Ces Tunisiens reprochent à Paris de soutenir, selon eux, Israël dans sa guerre avec le mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza. Et les manifestants demandent de criminaliser toute normalisation des relations avec Israël.